stand in the darkness, watching the sun arise. Is there no sign of life as we gaze at the waters into the stranger's eyes? And who are we to criticize or scorn the things that they do? For we shall see and we shall Ammonia Avenue. If we call for the proof and we question the answers, only the doubt will grow. Are we blind to the truth or a sign to believe in? Only the wise will know. Thank you.
écarter tout ce qui relève d'un contexte daté. Je vous disais tout à l'heure que cette espèce de haine de l'État, qui semble un des lieux communs de l'anarchisme, a pu être légitime dans une époque où l'État n'était que l'instrument de domination des forts sur les faibles, des possédants sur les dépossédés, de la bourgeoisie sur le prolétariat. On peut effectivement imaginer qu'on puisse en avoir contre l'État. Quand vous avez des gens qui, parce qu'ils sont patrons, banquiers, notaires ou ce genre de choses, peuvent légitimement voler ou spolier, alors que quelqu'un qui meurt de faim et qui va voler de la nourriture pour nourrir sa famille risque le bagne, les galères ou la déportation dans des bagnes. Donc l'époque, c'est tout de même ça. Vous avez des gens qui ont fait des années de bagne pour avoir volé du pain au XIXe siècle, et qui se sont retrouvés, récupérés par la police, jugés par des magistrats. Et on peut effectivement imaginer que les juges, les avocats, les magistrats, tout ça, ça procède d'une même machine qui est détestable. Mais nous avons changé de configuration historique, même s'il reste évidemment un certain nombre d'occasions de ne pas aimer un État qui serait à la solde des pouvoirs, qui serait à la solde des dominants, à la solde des puissants, on est bien d'accord.